des longs voyages. Bonjour. Une fois sur la plus petite des trois îles, j'aperçus une silhouette féminine. Mais une silhouette féminine n'est pas forcément une femme. Il faut le savoir, les fées prennent souvent l'apparence de l'imaginaire des chevaliers. Mais depuis quand n'avais-je pas vu une femme? Et puis elle était là devant moi. Elle tendait ses bras en geignant un drôle de chant. Elle avait de longs cheveux dorés et des yeux de diamant. Son corps blanc, presque transparent, me faisait peur. Mais finalement, je me déshabillais et plongeais dans l'eau pour la rejoindre. Fermez les yeux. Chagrin, comme une lame dans son fourreau, je suis parti ce matin, une terre où il fait chaud. Sans rien comprendre de mon chemin, n'importe quelle direction, là où je me perdrai enfin, complètement anonyme. Femme de verre, je voulais toucher sa peau, elle aurait cassé mon âme de fer, aurait peut-être rendu. Chant de l'île aux oiseaux bleus, des fleurs au parfum amnésique, pensée vide avait pris feu, transperçant d'oubli chronique. Ces gens.